Yo les gens, j'espère que vous allez bien, c'est Gaming Sud. Les potos, petite vidéo de rappel, glitch, duplication solo, plaque propre. Avec les appartements de luxe, le glitch est toujours fonctionnel. Glitch super facile à réaliser. Donc les potos, pour pouvoir réaliser ce glitch de duplication solo, avant de commencer le glitch, on va aller en histoire. Une fois en histoire, on va faire touche start. On va aller dans paramètres, commandes, on va mettre mode de visée, visée libre. Puis on va aller en session sur invitation. Donc les potos, pour ce glitch, on aura besoin du centre d'opération mobile. Dans le centre d'opération mobile, en module 3, il va nous falloir dépôt de véhicules personnels. Et on aura besoin aussi soit de l'arène, soit de la boîte de nuit. Donc, moi je veux le faire avec la boîte de nuit, je vais acheter des éligués RH8 à 0$ que je vais mettre dans la boîte de nuit. Vous mettez autant d'éligués RH8 à 0$ que vous voulez faire de duplication. Les potos, pour ce glitch, si vous avez le centre d'opération mobile, si vous avez le fantôme, ça ne marchera pas, d'accord? Ça ne marche pas avec le tracteur, le fantôme, ok? Donc, si vous avez le fantôme, il va falloir le changer, les potos. Donc là, je vais monter dans le centre d'opération mobile. À l'intérieur, j'ai le véhicule que je veux dupliquer. Je le sors du centre d'opération mobile. Et là, on va placer le véhicule. On va placer le véhicule à l'endroit où je le mets. La plupart d'entre vous connaissent ce glitch parfaitement. On va placer le véhicule, regardez. J'ai la roue avant à peu près au niveau du poteau. Il va falloir avoir en haut à gauche le message « faire flèche de droite » tout en ayant le rond bleu. Ok, il faut que quand on sort du véhicule, on a le rond bleu. Si vous n'avez pas le rond bleu, ça ne marchera pas, d'accord? Donc là, je vais sortir du bunker et je vais me téléporter grâce aux activités. Donc, j'affiche la carte, je prends une activité que j'ai à côté de mon appartement de luxe, je fais carré pour la lancer. Je lance l'activité, je confirme. Dès que je commence à aller dans les airs, là je fais touche PS et je vais rejoindre un ami qui joue à GTA Online. Je rejoins le poteau. Je vais avoir un premier message. Voulez-vous changer la session? J'accepte ce message. Je vais avoir un deuxième message de visée différente. Je refuse le deuxième message. D'accord? On accepte le premier et on refuse le deuxième. On apparaît sur l'activité qu'on a lancée, près de notre appartement de luxe, on prend un véhicule de PNJ et on va se rendre à son appartement. Une fois dans l'appartement, on va se diriger à la salle des braquages. La plupart d'entre vous connaissent ce glitch, pour ceux qui ne le connaissent pas, les potos, on va avoir besoin d'une mission de braquage. Si vous avez un braquage final, ça ne marchera pas. Si vous avez le braquage sorti de prison, ça ne marchera pas. Il va vous falloir une mission de braquage. Donc pour se bugger, c'est très simple. On appuie sur la touche Start. Comme on relâche Start rapidement, on fait flèche de droite. Donc j'appuie Start, je relâche Start et je fais flèche de droite. Je me retrouve avec la mini carte ouverte et derrière le tableau de braquage. Si par exemple vous vous retrouvez comme ça et que vous voyez votre personnage entre la mini carte et le tableau de braquage, ça n'est pas bon, ok? Il faut se retrouver comme ça, on ne voit pas son personnage, d'accord? Avec la mini carte ouverte et le tableau derrière. Donc une fois qu'on est comme ça, on va aller sur l'onglet en ligne. De l'onglet en ligne, on va ouvrir le pack d'entrée dans le monde criminel. Donc je clique, je l'ouvre, une fois qu'il est ouvert, je ferme le menu. Je fais rond, rond, puis je fais pavé tactile. Là, je vais cliquer sur le style de l'appartement. Et là, on peut voir que j'ai le curseur qui est posé sur moderne 280 000. Regardez où il y a la flèche rouge, il y a écrit « Essayez l'intérieur moderne, un style neutre et contemporain pour votre appartement ». D'accord ? On peut voir qu'il y a trois lignes et que ça finit par appartement. Je vais aller sur le prix d'en dessous, regardez.
Et là, il va y avoir que deux lignes, d'accord? Je vais sur le prix d'en dessous, il n'y a que deux lignes. Regardez, je reviens sur le prix du dessus, il y a trois lignes, ça finit par appartement. Donc là, les poteaux, ce qu'il faut faire, on va faire un premier tour dans le vide, d'accord? Une fois qu'on a ouvert le style de l'appartement, on fait un premier tour dans le vide. Une fois qu'on a fait un premier tour dans le vide, on va aller sur le premier prix où ça finit par appartement, d'accord? Et là, on va cliquer. On va avoir un écran noir. Puis, on va faire un tour dans le vide. Et on va prendre le premier prix qu'on voit qui finit par appartement. On va avoir un écran noir, puis on fait un tour dans le vide. On va faire ça ainsi de suite jusqu'à quand on va cliquer sur un prix et il ne va rien se passer, on ne va pas avoir d'écran noir. À partir de là, on va quitter le menu. On va faire deux fois rond et on va quitter le menu. Normalement, on devrait se retrouver sans la mini carte en bas à gauche ouverte. Donc là les poteaux, on va se téléporter soit à la boîte de nuit, soit à l'arène où on a une illigera chute à 0$ à perdre, d'accord? Donc moi j'ai une illigera chute dans ma boîte de nuit, je prends une activité que j'ai proche de ma boîte de nuit, je fais carré, je lance l'activité et là je rejoins un poteau qui joue à GTA Online. J'accepte le premier message et je refuse le deuxième message et là ça me téléporte sur l'activité que j'ai lancée à côté de ma boîte de nuit. Donc là je me rends à ma boîte de nuit. Quand on va se rendre à sa boîte de nuit, on va remarquer qu'on n'a pas le rond bleu, mais c'est pas grave, on se colle au portail et là ça nous propose les sous-sols. Donc je rentre dans le sous-sol où j'ai une illigera chute à 0$ qui sera écrasée. Je vais monter dans le véhicule, je vais attendre que le véhicule démarre. Une fois que le véhicule a démarré, je vais mettre un coup d'accélérateur. On devrait se retrouver à pied à l'extérieur. Une fois à l'extérieur, on va prendre une activité qu'on a à côté du bunker et la lancer. On va rejoindre un ami qui est sur GTA Online, accepter le premier message et annuler le deuxième message. Et là, on va rentrer dans le bunker. On va retrouver la voiture où on l'a laissée. On va monter une première fois dans le véhicule. On attend que le véhicule y démarre. Une fois qu'il a démarré, on descend du véhicule et on va rentrer à pied une première fois dans le centre d'opération mobile. Et on va sortir par une porte du fond, ok? Vous ne sortez pas par la grande porte, sinon vous allez avoir un chargement sans fin. Donc, on sort par la petite porte du fond et là, on va pouvoir monter dans notre duplication et la sauvegarder. Donc, on monte dans le véhicule, on a le message en haut à gauche, faire flèche de droite. On fait flèche de droite, dépôt de véhicule plein, on accepte. Et là, on a notre duplication qui est sauvegardée. L'original, elle, a été envoyée à la place de l'illigera chute à 0$ dans la boîte de nuit. Et là, je me retrouve avec la duplication. Les poteaux, si vous voulez enchaîner, il va falloir aller sur l'éditeur et de l'éditeur retourner en session sur invitation, replacer le véhicule et retourner à l'appartement. Voilà les poteaux, la vidéo elle arrive à sa fin, j'espère qu'elle vous aidera. Je vous dis bon glitch et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !